Nous sommes à Villeneuve-de-Marsan dans les Landes pour la deuxième édition de Toutes en Art, un parcours artistique réservé aux femmes artistes. Cette année est la deuxième édition et nous accueillons 27 artistes des Landes. Je suis une historienne qui travaille dans la liberté et dans l'amour de ce qu'elle aime. J'ai été invitée à ces journées du matrimoine et pour moi c'est quelque chose d'extraordinaire car le matrimoine c'est ce qui nous a manqué pendant des siècles. Et donc là il s'agit de la culture des femmes, de la culture artistique, c'est-à-dire le rapport à l'image, au regard et aussi à la verbalisation sur l'image. Ici, on a le lieu en fait, où chaque artiste qu'il souhaitait pouvait déposer une œuvre sur le féminisme. Et on a toutes quelque chose de différent à dire sur le féminisme. Il y a eu des femmes qui ont des problèmes par rapport à leur corps, qui ont mis une œuvre. D'autres, c'est des problèmes de genre, des problèmes comme moi j'ai fait, plutôt psychologiques, sur le pervers narcissique par exemple. Alors le festival me permet de rencontrer d'autres artistes et de voir leur féminité dans leur art. Il me permet aussi d'avoir un recul par rapport au regard du public qui vient dans ce festival.